Le vent est un phénomène météo présent à toutes les saisons. Il peut être froid ou chaud, violent ou modéré, soudain ou alors constant. Mais une chose est sûre, il influence grandement notre santé. Et voici trois exemples. Alors déjà, en effleurant notre peau, il va l'irriter. Or, les cellules de l'épiderme et le système nerveux sont liés l'un à l'autre. Ils sont en dialogue permanent. Cette action du vent sur la peau va avoir pour effet de stimuler l'adrénaline, une hormone liée à l'agressivité. Voilà pourquoi être exposé à un vent constant peut conduire à un état d'excitation. Le vent transporte aussi des facteurs pathogènes externes. Alors le vent, en tant que phénomène météo, ne crée pas de maladie. C'est bien l'air qu'il transporte qui peut être nocif pour la santé. Il peut ainsi transporter des virus et des microbes qui vont infiltrer notre organisme. Au printemps, il peut aussi faire voyager des pollens, les faire retomber dans des régions lointaines et ainsi faire souffrir les plus allergiques. Enfin, selon sa provenance, il pourra être chargé d'ions positifs ou négatifs. Le vent qui vient de la mer ou de l'océan est ainsi appelé brise marine. Et ce vent est reconnu pour être chargé en ions négatifs bénéfiques pour la santé. Ces ions améliorent notre humeur, la qualité de notre sommeil ou encore notre concentration. Au contraire, le vent de terre est souvent plus chaud et chargé en ions positifs. Et ces ions positifs sont reconnus comme étant néfastes pour notre santé.